Là, je viens de voir un truc sur les réseaux sociaux par rapport à... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Sarah Frézou par rapport à Metai qui va participer à la Villa des Cœurs Brisés. Et je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Là, je viens de voir un truc sur les réseaux sociaux par rapport au casting de la Villa des Cœurs Brisés. Je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce que je suis complètement choquée et outrée du casting. Vraiment. Vraiment, 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 ça me choque. Je suis outrée. Et je sais pas, je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qui se passe en télé-réalité maintenant. J'ai l'impression que être quelqu'un qui frappe une femme, être quelqu'un qui fait des préjudices psychologiques à une femme, vous donne le ticket gagnant pour faire partie d'un casting de télé-réalité, j'ai l'impression. Je parle pour ma personne, hein. Je pense que vous avez tous vu l'affiche de Varwekos, où il y a mes ex dans le casting. Donc MDR. Encore Oussama, je vous jure, j'ai rien contre lui. Il m'a menti, c'est un menteur, j'ai pas aimé. On s'est séparés, mais c'est un gentil garçon. L'autre là, l'autre. Qui d'ailleurs, moi, l'a fait rentrer dans le casting de la Villa des Cœurs Brisés pour venir pour mes côtes, qui au final m'a fait vivre un enfer. Pendant 2 ans, j'ai mis énormément de temps physiquement et psychologiquement à m'en sortir. Jusqu'à présent, je vous dis, je suis sur mes gardes et je suis pas forcément bien, en sachant qu'il y a quelques jours, il a essayé quand même de me joindre par téléphone où je n'ai pas répondu, je n'ai même pas vu l'appel. Et moi, en m'envoyant un message en me disant « Réponds, t'as peur », qui joue clairement à de l'intimidation. Je suis choquée et outrée que le genre d'émission comme La Villa des Cœurs Brisés, que TFX et que aussi TF1 cautionnent ce genre de choses, et en fait des personnes de télé-réalité, et leur offre l'occasion de faire les victimes alors que c'est eux qui ont... Le seul truc qui me choque, c'est vis-à-vis de la production. Je vais pas vous mentir. Ils pourront dire que c'est la chaîne qui l'a voulu. Alors là, c'est encore pire. On est dans une grande échelle de TF1 cautionne et prospère la violence sur les femmes dans ces cas-là. Parce que avant de faire ce snap, vous savez très bien, moi je suis quelqu'un de assez direct. J'ai quand même envoyé un message au producteur en lui disant que je comprenais pas ce fait-là de prendre en casting des gens de ce genre de personnes. Surtout que j'ai travaillé énormément avec ces productions et qu'aujourd'hui je vois que en fait ils en ont rien à foutre en fait. Alors que quand ils sont devant vous, c'est à base de nous on t'a dans le cœur, t'as toujours bossé avec nous, ceci, cela. Et aujourd'hui de planter comme ça un couteau dans le dos et juste voir Audimat, en sachant que ces gens-là sont pétés et que vraiment je suis choquée en fait, vraiment. Certains dans ma story qui vont dire oh, t'es une haineuse, c'est bon, laisse-le tranquille. Moi je l'ai laissé tranquille, hein. C'est lui qui m'a envoyé un message il y a quelques temps. Si vous voulez, je vous mets la capture d'écran, j'ai rien à y gagner. En me disant réponds, t'as peur, lol, d'accord. Donc déjà, je ferai passer un message, évite de m'appeler parce que sinon je vais porter plainte contre intimidation et voilà. Mais ce que je cautionne pas, c'est vraiment TF1 qui cautionne ce genre de personnes. Encore, on peut dire la première émission, bah je connais pas cette production-là, ceci, cela, et lui, bien sûr, il en a joué parce que c'est un gros manipulateur. Mais de là à la Villa des Cœurs Brisés, qui était là, qui m'a vu dans tous mes états, qui m'a vu pleurer, à qui j'ai confié le quart de ma vie, qui me caressait dans le sens du poil, ouais. Vous pouvez pas cautionner en sachant qu'il y a des vidéos qui sont sorties, que la personne a assumé m'avoir frappé, m'avoir giflé ceci, cela, et aujourd'hui le mettre en avant et surtout lui présenter de nouvelles demoiselles. Ça va, aujourd'hui tout va bien dans ma vie, je suis très heureuse, Dieu merci. J'ai quelqu'un qui m'épaule, je dis pas que c'est l'homme parfait parce que maintes et maintes fois j'ai fait cette erreur-là et au final je me suis retrouvée plus bactère et choquée en voulant défendre et protéger l'image de mon conjoint. Pour l'instant je n'ai aucune embrouille, de temps en temps on a quelques embrouilles, moi et fréquentations, rien de méchant comme dans tous les couples. Mais stop, stop, voilà. Et c'était un peu mon coup de gueule d'aujourd'hui parce que je suis quand même outrée que maintenant les télé-réalités en fait elles prennent plus de mecs qui font de mal aux femmes, de voir des femmes dans tous leurs...
voilà, tout ça pour dire que j'étais choquée et que pour moi, je trouvais ça légitime de parler sur ça, puisque quand je regarde le casting et je vois qu'il y a quand même deux de mes ex, en sachant que c'est dommage parce que je vous jure que cette émission, je l'aimais bien, j'y croyais vraiment, mais là, ça commence à, pour moi, devenir comme les autres télé-réalités. Et avant, je vous rappelle, parce que ce monde-là, c'est un peu trop, c'est un peu, comment dire? Tout le monde parle sur tout le monde, ceci, cela. Et la grosse équipe avant, qui était le producteur des anges, j'ai entendu maintes et maintes choses sur leur côte, mais comme d'autres productions ont descendu Banijay aussi. Alors qu'en fait, je pense que c'est les pires personnes parce que vous carrossez dans le sens du poil pour derrière bah vous niquer. Donc voilà, Oussama, j'ai aucun problème contre lui. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'espère qu'il trouvera vraiment l'amour. C'est quelqu'un de gentil, peut-être un gros mytho, mais c'est quelqu'un de très gentil. Mais l'autre, il n'a aucunement sa place. La prochaine fois, au lieu de tirer dans le dos de vos candidats avec lesquels vous avez travaillé pendant des années, et là, je parle principalement de A-Production, hein, si vous êtes en manque de casting, je veux bien faire casteuse pour vous parce que prendre deux de mes ex comme ça, inconnus au bataillon, enfin, ou ça m'a encore, à la rigueur, je vous ai dit, ça me pose aucun problème. Mais l'autre, avec tout ce qui est sorti, avec tout ce qu'il a fait, avec toutes les preuves que je vous ai données, vous le mettez encore dans vos castings alors que vous me connaissez par cœur, c'est décevant. C'est décevant parce qu'il n'y a plus de côté humain et en fait, et je vous dirais le pire, hein. Principalement, les productrices et les rédacteurs en chef sont des femmes. C'est ça le plus choquant. Le producteur est un homme, mais c'est des femmes qui gèrent la Villa des Cœurs Brisés. Donc, je suis choquée. Je mets ça juste là. Hein. Depuis, à la base, cette personne était bloquée sur tous mes téléphones. Je n'ai pas compris pourquoi sur ce téléphone-là, c'était débloqué. Bon, hein, c'est pas grave. Mieux, ça vous montre que à défaut de faire la victime sur les réseaux et dire laisse-moi faire ma vie, bah c'est pas moi qui me rappelle. Hein. Voilà. Voilà, juste une envie de m'expliquer. Je vous ai dit, je ne ferai plus jamais ma gueule. Ah oui, et il y a beaucoup qui ont relevé avec un cœur. Mais je vous explique en fait, j'ai juste changé ex, il avait écrit mon. Je me rappelle à l'ancienne mon homme. Et j'ai juste supprimé homme et j'ai mis ex. Donc là, c'est même plus. Genre, vous m'avez fait rire quand vous avez relevé ça, je vous jure. Non, mais de toute façon, ça n'existe plus carrément dans mon répertoire. Voilà. Là, c'est mieux. Et vous avez le détail des appels. Voilà. J'arrête cette story. Au moins, ça a été dit. Voilà. Et je continue ma petite vie cool. Je vais aller voir mon chéri d'amour. Que j'aime. Je vais aller me doucher. Je vais aller faire un petit tour. Donc voilà, c'est la story de Sarah Frézou. C'est la story de Sarah Frézou. Mais c'est vrai que c'est choquant de voir que la Villa des Cœurs Brisés, il y a deux de ses ex qui y sont. À croire que Sarah, ça y est, Sarah Frézou, c'est devenu un tremplin. C'est devenu un tremplin pour rentrer dans la télé-réalité. Pour les hommes. Ouais, c'est abusé quand même. D'un côté, c'est abusé, d'un côté, c'est la vie, c'est comme ça, c'est elle qui l'a fait connaître, qui les a fait connaître. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les histoires de cœur chez les personnalités publiques, c'est difficile. C'est plus difficile encore que chez le riche, tu vois. Le riche, il peut se faire passer pour quelqu'un de modeste, normal, tu vois. Au lieu de mettre une Rolex, il va se mettre une Festina, tu vois, une montre moins, une Seiko, tu vois, au lieu de mettre une Festina, au lieu de mettre du Balenciaga, tout ça, il va mettre, tu vois, il peut s'habiller, il peut se faire passer pour quelqu'un de modeste, tu vois, un riche, vu qu'il n'est pas connu. Tu vois, s'il fait une rencontre avec une femme, ou si une femme fait une rencontre avec un homme. Mais quand t'es connu, tu peux pas le cacher, ça. Donc t'as toujours ce truc dans la tête, c'est est-ce qu'il est avec moi pour le
Excusez-moi, est-ce qu'il est avec moi ou est-ce qu'elle est avec moi pour la visibilité, pour réussir dans les réseaux, ou est-ce qu'il est avec moi ou est-ce qu'elle est avec moi pour, vraiment pour des sentiments, vraiment pour l'amour? Donc ça, c'est difficile chez les personnalités publiques, on va dire. Voilà, surtout chez les jeunes personnalités publiques, c'est quelque chose. Voilà, même après la séparation, ben, du coup, si le mec, tu lui as fait tremplin, sans le vouloir. C'est pour ça que maintenant, par exemple, elle ne montre pas son mec, peut-être. Voilà, y a des gens comme ça qui cachent leur femme. Comme Alrima, il a jamais montré sa femme. Elle a toujours mis un masque quand elle apparaît sur les snaps. Ou d'autres encore qui ont caché leur femme à un certain moment. Voilà, parce que tu as toujours ce doute dans la tête. Voilà. Après, on est pour, on est contre. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Après, c'est parole contre parole concernant l'agression. On a bien vu que, voilà. Si elle avait été vraiment. Si elle a été agressée, elle aurait dû faire un certificat médical et une main courante. Au moins un certificat médical pour le prouver à telle date. Je sais pas. Je sais pas, c'est parole contre parole. On n'a pas assez de preuves pour juger Ahmed Tay et Sarah Frézou. Mais n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Je vais aller me toucher. Je vais faire un petit tour, capter ma copine. Mais voilà, c'était juste une parenthèse, hein. Pas la peine de polémiquer dessus. C'est juste mon ressenti, mon coup de gueule. Ça plaît pas, tant pis. Bon, les amis, du coup.